Très bien, regardons les articles. Par exemple, si je dis je veux, je suis au restaurant, je veux un poisson versus je veux du poisson. Quelle est la différence si on analyse? La phrase est quasi identique. Verbe, sujet, verbe, sujet, verbe. Et ici, on a un complément. Posez la question, je veux quoi? Réponse, un poisson, complément, objet direct. Je veux quoi? Réponse, du poisson, complément, objet direct. La différence, si on regarde, c'est l'article. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un article indéfini. Indéfini. Et l'article indéfini, en général, indique une quantité. Je rappelle, on a un, on a une et on a des, qui correspond à masculin, féminin, singulier et pluriel. Par conséquent, quand on dit je veux un poisson, on est en train de parler du nombre 1 et ça va parler du poisson complet, entier. Versus je veux du poisson. L'article ici s'appelle l'article partitif. C'est un article partitif. Et les articles partitifs, on a une question de partie. Et la partie, qu'est-ce que c'est? C'est une quantité. Quantité non définissable, comme si c'était une masse aussi. Par conséquent, je veux du poisson qui est plus raisonnable, c'est-à-dire je veux une quantité de poisson versus un poisson entier. Identique avec l'exemple suivant. Je mange un bœuf versus je mange du bœuf. Qu'est-ce qu'on a ici? Je mange un bœuf. Bœuf est masculin comme poisson, masculin singulier, par conséquent, c'est bien un. Versus je mange du bœuf qui va me parler d'une quantité de bœuf, ce qui est plus raisonnable. Regardons l'article suivant. Je mange une tarte. Je mange une tarte. Tarte est féminin, singulier. Par conséquent, on a bien une et une va me parler de la tarte complète, entière. Oui, comme le bœuf. Les deux, qu'est-ce qu'on a? On a la tarte complète entière, on a le bœuf complet entier. Ça fait beaucoup. Versus je mange. Et tarte est féminin. Par conséquent, on va transformer, on va dire, de la tarte. De la tarte. Ce qui est plus raisonnable, c'est une portion, c'est une quantité de tarte. Regardons l'exemple suivant. Ce fruit s'appelle un ananas. Par conséquent, je mange un ananas. Et notez qu'on a la voyelle ici. Par conséquent, on va dire et un ananas, ce sera bien le fruit complet. Ça fait beaucoup. Vous voyez le fruit complet versus je mange. Et ananas, ananas, a une voyelle. Par conséquent, on va utiliser le de l'apostrophe. Je mange de l'ananas. Ce qui est plus raisonnable, c'est une quantité, c'est une portion. Regardons l'exemple suivant. Je mange un haricot. Et un haricot, d'accord, ça parle de un haricot. Versus je mange des haricots pour une quantité. Oui? Pluriel haricot, par conséquent des. Et les articles partitifs, qu'est-ce qu'on a? Masculin, on a du. Féminin, on a de la. Attention au singulier, on a de l' apostrophe si on a une voyelle. Oui. Et le pluriel, c'est facile, on a des. Je rappelle, masculin, féminin, ça c'est le singulier. Attention si on a une voyelle qui correspond à a, e, i, o. U et la voyelle H qui ne compte pas. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le pluriel. Et les articles partitifs, c'est pour une quantité, une masse. Voilà.